Je crois qu'on a vécu une matinée vraiment passionnante où chacun a pu expliquer ce qu'était son métier. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, dans le journalisme, il y a plusieurs métiers. On a parlé d'information, on a parlé de gestion de crise, on a parlé de production, on a parlé de journalisme écrit, de journalisme oral, de télévision. Donc tout ça, effectivement, c'est un grand monde très complexe et je crois que nous, agriculteurs, on a découvert un certain nombre de choses là. Charge à nous maintenant d'en tenir compte et puis certainement d'avoir des expressions différentes suivant à qui on s'adresse. Oui, je pense qu'effectivement, les agriculteurs qui sont des très grands lecteurs, par exemple, comme on a pu dire ce matin, de presse quotidienne, qui regardent aussi un certain nombre de chaînes télé, qui écoutent la radio, ont le sentiment probablement assez fort de ne pas être bien traités dans les médias. Alors voilà, c'est ça qu'on a voulu débattre, mettre vraiment les cartes sur table. Les agriculteurs ce matin se sont exprimés aussi dans ce sens-là. Je crois qu'il n'y a pas eu de langue de bois et il y a même eu un petit peu effectivement de discussion et c'était vraiment le sens de la matinée. On est surtout reparti, on repart de là avec une meilleure connaissance les uns des autres. Je crois qu'il y a eu un maître mot aussi qui était la proximité. Plus on va se voir, plus on va se parler entre les agriculteurs et les journalistes et plus effectivement quand il y aura des choses compliquées à gérer, eh ben, on sera à même de les gérer et de les expliquer. Alors vraiment, ce que je voudrais vraiment clairement dire, c'est qu'il faut prendre la parole, il faut parler partout, il faut parler le plus possible, il faut parler positivement et il faut oser, vraiment. Et je crois que ça a été dit aussi très fortement par les journalistes qui étaient présents ce matin. Oser dire quel est son métier, oser dire comment on le fait, être transparent et s'engager aussi dans des démarches, par exemple comme celle d'agriculteurs de Bretagne, mais plus largement sur sa commune, un peu plus loin quand on le peut, vraiment s'engager et parler, oser parler.